dans l'émission Starting Block HD, présentée par Maoué Adams sur la radio RVVS 96.2. Yo, bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, on va faire un crush. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de crush. On va faire un petit crush. Bienvenue dans l'émission Starting Block Radio sur la radio RVVS 96.2. Fallait que je le dise. Oui, il faut le dire. Bioko, les gars, ça va. Du nouveau dans la table. On va commencer par Joe. Joe, bien encore, faut pas que je t'oublie. Calme-toi, mon gars. Cool. Ouais, on se maintient, tu connais toujours. Ça ne bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Et toi, ça va? Ah, moi, toujours, ça va. Vous me cassez les couilles, mais ça va. Vas-y, au grand calme, on en bleu sang. Valdo! Quel vaille. Hey, il est Valdo, il est là presque tous les soirs, mais c'est la première fois qu'il a pris le micro. Bon, on a insisté. C'est le baptême. Mais tu le vois toujours dans les vidéos. Il se fait désirer. Il est en train de marcher. Il est derrière moi. Ça va, là, tu es bien derrière le micro, non? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, t'es un peu timide, on le sent un peu, mais t'inquiète pas. C'est comme les invités, frère. Au début, il faut les petits timides. Voilà. Là, après, ils vont commencer à prendre la fiancée. Adam, bien. Et toi? Cool. Les gens ils savent pas à quel point t'es pas comme ça en vérité. Dans voilà. La vidéo, quand t'allumes ton micro, t'es un autre mec. Sur la vie de ma mère. Hey, c'est une dinguerie. Je voulais casser son délire. Non, ça veut dire quoi? Les gens savent pas à quel point t'es pas comme ça en vérité. C'est comment? C'est comment ça veut dire? Va me casser les couilles. Voilà. Vas-y, Nanani, je viens rentrer chez moi. Faut commencer. Je le dis, moi je le dis à l'antenne là dès le départ. Moi vous me cassez les couilles. Non, je plaisante. Y'a rien mon frère. Moi je suis un casse-couille mon gars. Ça bouge pas. Fini, bien quoi. Et toi? Mais il est sur son bigot. Non, tu vois, là, on est proche de la communauté. Ah ouais, tu check là. J'ai pas piqué la communauté, elle aime bien en plus. Non, elle aime bien, ça dépend qui. Ça dépend qui. La communauté de l'autre côté là, tonton là, ils sont pas cordables, poté. Les gens vivent, ils me comprennent sinon. Ah, les gens vivent. Ah ouais, il est prétentieux. Ah, je rigole, que Dieu la voit, on est là frérot. Et toi? Ça bouge pas, calme. NES, Nestro. Ouais, mon ami. Comment va? Ça va, tranquille et toi? Tranquille ou quoi? La forme. Content d'être là? Ah, je suis ravi. T'es ravi? Ouais. Tu kiffes là ou pas? Je suis bien là. Ouais, bon, là, déshabille-toi pas. Parce qu'en général, les gens ils se déshabillent ici. Bientôt, on va voir du blanc un peu partout, tout ça, et on va faire la peinture. Bon, tout dans les parcs. Non, calme. Aujourd'hui, on va se faire un petit crush. Hein, parce que, bah oui, comme on a pu voir, PNL, ils ont sorti un gros projet. Qui fait, bon, je sais pas, le projet s'il fait mal, mais en tout cas, leur promo, là, le marketing, mon frère, c'est une dinguerie. Ah, moi, je voulais souligner, c'est une dinguerie. Non, mais le marketing, c'est la base, de toute façon. Ouais, mais ils ont mis le niveau de. Je sais pas, moi, ceux qui sont à l'école de marketing ou autre, là, mon frère, arrêtez de vous casser les couilles, allez voir PNL, mon frère. vous faites du bruit. vos profs vous racontent la de merde. Moi, j'ai vu PNL, ils m'ont montré la vie, frère. c'est vrai, sérieusement, au niveau marketing, c'est très, très, très lourd. C'est très fort. Je l'ai jamais vu, je crois. Même au state, tu vois. C'est le fait de parler peu, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est juste ça, en fait. Après, t'es en position de force, après. Ouais, exactement. Après, t'as juste à appuyer sur les boutons. Voilà, exactement. Non, mais après, moi, bon, ouais, ça parlait peu aussi, mais il y a eu le clip. Après, il y a eu le Uber qui était gratuit. Je sais pas si vous avez vu. Parce que c'est des mecs créatifs, en vrai. Voilà, ouais. Tu le sors dans leur musique, mais c'est des mecs créatifs. Donc, quand t'es un peu créatif, t'essayes de même, dans ta façon d'aborder le marketing, d'être un peu différent. Et ça marche, en vrai. Et ça devrait donner l'exemple aux autres. Et je te regarde bien, maintenant tout le monde essaye de mettre un peu de créativité dans sa façon de communiquer. Tu vois, je vois des tracklists un peu originaux, ce genre de choses qui circulent en ce moment. Ouais. C'est bien, tu vois, ça tire le rap vers le haut en tout cas. Ouais, c'est clair. Comme Booba a pu le faire à une certaine époque, tu vois, en tant qu'exemple dans les clips, même dans sa façon de communiquer, tu vois. Et ben, c'est toujours bien d'avoir des gens qui poussent un peu le truc pour que derrière les autres aussi s'inspirent. Mais là, ils ont poussé trop le truc quand même, non? J'avoue, la barre elle est haute par contre. Elle est haute. Le seul qui arrive à un peu suivre, c'est Damso. Ouais. Au niveau un peu marketing. Ouais, un petit peu. Il arrive quand même, c'est vrai, à garder son secret. Quand il arrive, c'est quand même un événement et tout. Ouais, mais lui, c'est plus mystère. Ouais, les gens sont toujours à la recherche. Plaque ténébreux. Ils ont l'impression qu'il y a un truc caché à chaque fois. Damso aussi, il communique, tu vois, je veux dire. Mais pas tant que ça. Ouais, mais pas tant que ça. Quand il sort ses projets, ouais. Mais après, il disparaît. Si tu regardes bien. Ouais, t'as pas tort. Si tu regardes bien. Mais on peut apparenter PNL à un truc là, Daft Punk. Ouais. Daft Punk, tu les vois jamais, ils parlent jamais. Et dès qu'ils sortent un truc, boum. Et Mylène Farmer aussi.
Lynn Farmer aussi, elle a la même communication. Elle, voilà, elle c'est la championne. Mais même, ouais, bah voilà, elle a sorti un bon mal. Elle le dit à personne, c'est comme Beyoncé, tu vois. Ouais, hein. L'album il sort, boum, t'es sur internet, les gens ils téléchargent, ils achètent, c'est ça. Dire, c'est... Mais je pense que c'est ça qui les différencie des autres, tu vois. C'est qu'ils ont un statut de star. Ouais, tu exactement. Vois. Ce qui n'existe plus en vrai aujourd'hui. Voilà, il a plus parlé, beaucoup, tu vois. Il a parlé, ouais. Superstar. C'est vrai, c'est réel ça. Superstar. Ouais, c'est ça. Alors qu'avant c'était normal qu'un artiste soit une star. Ouais, bah. C'est un truc qui s'est perdu, je trouve. Star, non, star, ouais, encore, non. Booba, tu le croises, genre, ouais, c'est, mais c'est la dernière star pour moi, Booba, ouais. Tu vois. Et eux, avec eux, mais. Eux, c'est, ça, ouais, ça, ouais. Ils déchaînent l'hystérie. Ouais. J'ai vu la vidéo sur les Champs-Elysées, c'est dingue. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. J'étais pas prêt aussi, hein. Je dormais, je ouais, j'étais pas prêt. J'ouvre mon aussi. Snap, je vois direct Snap, BNL, bam, 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 bam. Je dis, waouh. Ouais, oh, c'est, prêt, un ouf, c'est un truc de ouf. Ah, c'est, lourd. Non, c'est lourd, c'est lourd. Avec... Et c'était sur le bus, hein, c'est ça. Hein ouais, c'est genre ça, de bus anglais, là. Qui tournait, là, déjà. Ouais. Le bus, ouais. Les bus de touristes, là. Ouais. Ouais. Ça, là c'est ça. Ouais, ouais. Et n'empêche, quand t'as signé un contrat en moi, genre, tu dois te sentir comme une merde quand tu vois. Ouais. Ça. Sur petit. Hein. T'as plus autant ce truc-là de ah, moi, je suis une star, tu vois. Putain, merde. Non, après, comme c'est le jeu en vrai. Faut des mecs qui soient en haut, il y a des mecs en bas. C'est comme Cristiano Ronaldo et toi, t'es un attaquant à Nancy, tu vois. C'est pas grave. Il y a un fossé quand même. Il faut y aller bien ta vie quand même. Il y a, t'as capté, il y a de la place pour tout le monde, frère. Ah, tu gagnes bien ta vie. Mais c'est vrai que le côté mythique, comment tu disais ? Le mythe. Le mythe. Le mythe, ouais, ce côté-là, c'était un truc avant quand tu voyais un artiste, en vrai peut-être, ou quand il faisait une interview, c'était une dinguerie. Ouais, ouais. Toi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça s'est un peu perdu. Mais un artiste devenu un mec normal, même les gens ne les respectaient plus. En commentaire, ils se font insulter, trucs avant. Alors qu'avant, tu ne veux pas toucher aux artistes, tu vois. Ils avaient ce côté un peu sacré, entre guillemets, tu vois. À l'époque. Excuse-moi, ouais, ouais, à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait la parole aussi. Et t'avais pas un moyen de communication ouais, ouais. Où tout le monde pouvait échanger. Mais c'était bien. C'était parfait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient dégueulasses dans la vraie vie, tu pouvais pas le savoir. Ouais, bah, après, c'est les méfaits de l'internet, j'ai envie de te dire. C'est, tu vois. Ça, c'est le côté négatif. C'est le côté négatif. Comme ça sert à d'autres. Et que, voilà, tu vois, et comme des mecs comme voilà. NASA et tout, qui auraient pas eu de carrière, je pense. Et sans les réseaux, tu vois. C'est ça, il y a le penchant positif et négatif, tu vois. C'est ça aussi. C'est clair, c'est clair. En tout cas, un gros big up à eux parce que c'est très lourd, mon frère. Ils poussent le rap vers le haut. Et même la street, ouais, ça reste quand même des mecs du quartier qui entreprennent ouais, c'est lourd, et qui sont propriétaires de leur master, c'est-à-dire c'est des chefs d'entreprise. Bienvenue en vrai. Bienvenue dans l'émission Starting Block HD. Ouais, ouais, des fois il y a des petits couacs comme ça. Ouais, c'est doudou, c'est, ouais. Ouais, c'est comme ça, nous, c'est la street, mon pote. Ouais, bah, comme je te disais, c'est des mecs de quartier qui font des choses en grand. C'est et ils donnent beaucoup de leçons, c'est-à-dire que même les mecs de maison de disques avec 10 fois plus d'argent. Font pas mieux. Ouais. Tu ouf, vois, ça veut dire c'est une leçon pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et ça valorise le quartier. Même en d'humilité. Ouais, d'humilité, ouais. C'est un genre de ouf. Tu vois, il faut redescendre un peu parce que. Non, c'est lourd. Moi, je pense qu'ils. J'espère qu'ils vont inspirer plein de gens, en fait. Non, mais ils inspirent déjà les gens. Ils inspirent déjà beaucoup de monde. C'est les rares mecs que j'ai vu se faire respecter autant. C'est les rares mecs dans le rap qui refusent de faire des trucs, tu vois, je veux dire. Ouais, de refuser. On les invite à des. Genre des. Défilés. Ils refusent. On leur propose des featuring parce que Drake il a voulu faire le remix de je sais pas quoi là. À l'ammoniaque. Je sais pas quels sont. À l'ammoniaque. Ils ont refusé. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Là où les gens auraient couru, tu vois, je veux dire. Ouais. Les gens, c'est leur rêve, tu vois. Drake il arrive, il dit ouais, je veux poser sur ta prod. Les gens vont courir. Eux, non. J'ai même entendu. Ouais, c'est hein ça. Ils ont pas besoin. Non. Ça fait grossir un peu le truc aussi, tu vois. C'est là que tu vois qu'ils gèrent vraiment leur image. Ouais. Parce que n'importe quel rappeur, il leur dit ah ouais, c'est Drake, j'y vais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Parce que là, en vrai, j'ai entendu même qu'il devait être. À son Bercy, tu vois, parce qu'en vrai, lui, ce qu'il fait là, il fait des tournées, il fait une tournée mondiale et il invite les artistes influents de chaque pays où il va, ouais. Tu vois. Ouais. Et même ça, ils se permettent de pas y aller, tu vois. Ah, ils ont refusé la première partie. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais. C'est pas la première partie, c'est dans le show. Dans le show. Il fait un entracte, genre, et il invite un artiste, il a fait, il a ramené Hamza et Kalash. Ah, d'accord. Ok. Juste avant le. Ah, voilà, la petite dinguerie. Le petit dérapage. Pourquoi il y a eu quel dérapage ah, ouais. Mais ouais, non, tu sais. Oh, la Porsche sur les Champs-Elysées. Ah, d'accord, Kalash. Ah, ouais, je pense à Kalash. Les dents cassées. C'était jour, les médias ont fait la même erreur que toi. Non, non, bah, moi j'ai pas suivi, tu sais. Je suis que les potins. Bon, je disais, je suis que les potins de Kuta Kinte, mais il l'avait mis en fait. Ouais. Donc là, mais j'avais pas fait. J'avais, bon, en vrai, c'est pas une dinguerie, c'est ouais, parce que ça a été filmé. Ouais, et ouais, ouais. Il est un peu bourré, vas-y. Vas-y, fais ouais. Un. Ça va, frère. Après. En tout cas, bon, aujourd'hui, on va se faire un petit crush, un PNL, c'est ça. On va se faire l'album Dans la légende, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Chacun de nous a choisi un son, sauf moi, parce que moi, j'ai la vérité, j'ai pas trop écouté Dans la légende. Moi aussi, j'ai pas encore choisi, là. Ouais. Mais là, je sais même pas si moi, personne m'a donné les sons, mais bon, c'est pas grave, on va faire ça en off. Voilà, en comme off. Ça. Non, non, en live. Ça dans le tas, frère. C'est la street, mon pote. Les gars, ma tailleur, mon frère. Ça bouge pas, frère. Hein, on va commencer. Qui veut commencer par son son? Hein? Commence par là-bas. Hein? Donc, vas-y. On a fini de commencer non, par moi. Hein? Non, ouais. Parce que regarde, tu commences là-bas, comme ça, moi, j'ai tendance sur internet pour voir quels sont les rappels. Vas-y, bah, on voit Dans la légende.
Dans la légende. Dans la légende. Ah, ouais. Ouais. Bah en plus, ouais, ouais, c'est le titre du morceau. C'est le nom de l'album. Et, vas-y, ouais. Fin. Et ouais, faut rappeler qu'ils sont, ils sont à 3 jours de sortie. 74 000. Avec 45 000 en physique. Ouais, c'est une dinguerie. Comme à l'ancienne. C'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Comme à l'ancienne. Ouais, même, c'est plus. Et j'ai en vu physique, un truc tout à l'heure, ouais, là, plus. Plus là, j'ai vu genre. C'est en 3 jours là. En 3 jours, ouais. J'ai vu un bail en plus là. C'est pas dans le thème, c'est un peu dans le thème quand même, tu vois. Il y a un bail là, c'est un mec. Vas-y. Il y a un mec qui a fait qui a recensé les meilleures ventes d'albums. Ouais, 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 j'ai vu aussi. Ouais. Et là, ils sont quand même un bon. Ouais, au niveau pour des mecs qui vendent. Ils vont prendre 10 places là. Bah ouais. En fin d'exploitation de l'album, ils vont rajouter peut-être 500 000 ventes. Ouais, c'est Solar qui nique tout. Solar, c'est le premier. Solar, c'est un ancien. Parce qu'il a fini ça de 2000. Ouais, t'as vu comment il monte, c'est off. Il a fait quoi? Tu places toujours off. Ah, c'est obligé. C'est des ventes de 2018. L'album, il est sorti encore. L'album d'Orof est sorti en 2019, hein. Non, 2018. Fin 2018. Ouais. Il a pas mal vendu quand même. Ouais, monté, ouais, c'est pas mal. Il a pas mal vendu. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que Booba, pendant longtemps, il était bas dans le truc. Et c'est vers 2011 vraiment qu'il prend l'ascendant et qu'il dépasse Rof et qu'il prend la place là où c'est, il a joué. C'est quand il a ramené la nouvelle vague. Ouais, c'est ça. L'autotune, c'est là qu'il a pété. Parce qu'avant ça, le mec, c'était un gros vendeur. Mais il était dans la pente descendante, tu vois. Enfin, il stagnait. Ouais, il stagnait, ouais. Depuis 2000. Là où Rof était plein de balles, je veux dire. C'est réel. Dès qu'il a pris un second souffle, pouf, il est monté. Le streaming aussi, hein. Le streaming, ça a bien. Ouais, mais streaming, c'est arrivé là. C'est comptabilisé, ça fait, c'est pas longtemps. Ouais, mais 2018, c'était l'année dernière. Non, mais lui, quand il monte, c'est à partir de 2011, tu vois. Moi, je dirais plus ces périodes futures. Futur, futur, ouais, futur. Ou juste avant futur, il y avait quoi? L'almanach. Pig l'almanach. Ouais, non, calme. Mais ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, je balance le son. Ouais, c'est parti. Vas-y. Ouais, si vous voulez, on peut continuer. Bon, bref. Bon, dans la légende, ils sont suivis par Adam, c'est ça? Ouais, dans la légende. Voilà, bah après, bah, tu dis un mot dessus juste après. Bon, on va écouter juste. On va écouter un peu. Voilà, on revient tout de suite après. Yes. Dans la légende. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les anglais. À l'appel. Aujourd'hui, Hamdoul a plus besoin de le faire. Le monde, chico. Y'a le buzz tant qu'il est chaud, on va le faire. Amiga, amigo. Pas de 10. Au bon char, on y va, on fait pas de caprice, non. Love and peace. Sur le terrain, y'a tes yeux, et belle glissement. On te rentre dedans, bum. Pas ton temps. Bref, allez, file. Qu'est-ce que t'as fait le foot test? Zing zong. Hey. J'sors des mots de merde et tu me payes. La haine sur le maillot, le zay, la maille, j'vois maille et la maille. Le M en saillant, terre tu fly, wallah. J'pense moi ça m'arrange, t'as fait ci, t'as fait ça à l'échange. ADT ou loin des anges. J'vois ma haine sur la balance. J'dois entrer dans la légende. J'vois bien, j'fume, j'revis. J'rentre pas dans leur fête. Un charbon et j'm'enfuis. Toute l'année j'm'en pète. J'traverse la vallée, la jungle, faut du soleil. Voilà, j'ai plus sommeil. Avec charbon et on s'occupe. Ouais, c'est ça ou finir cocu. Pack de la soli inquiétante. Nous on reste les mêmes et on bande. Je refais mon corps à son en pépite. Chez nous les chromes c'est comme les fuites. Le putain de cash. Le sourire d'un ange me réveille. Palme perdue vers Corbeil. Charbonneur dans la vie. Des billets, j'fais des kills. Garde le double des clés, salut, je quitte la terre. Et gonfle la ville, par le sang du maire. J'emmène la misère, putain de balade. Vis la vie que j'aurai pas le temps d'une barre, je quitte Paname. Personne non, la mif. L'argent, le sang. La légende. J'voyage, fume, j'revis. J'rentre pas dans leur fête. Un charbon et j'm'enfuis. Toute l'année j'm'enfuis.
Aïe. Ah ouais, t'as évolué toi. C'était quand même. T'as fait le petit. Ouais, mais là, tu sais. tu sais, bientôt au moins. Galère, je... oui, vrai galère. J'ai capté. T'es fait un délire. Oui, il a sauté le petit coup. Attends, regarde le boy, regarde. Attends, kick. Hey, je peux le laisser en fond, tout ça. Non, tu sais, on progresse. Voilà, on s'est écouté dans la légende. Voilà. Profite, hein. Mais c'est moi qui décide, en fait. Okay. Je suis le seul maître de ma fucking life. Okay. Voilà, grâce à vous. C'est parti. Voilà, c'est parti, les gars. On s'est écouté dans la légende. Non, c'est moi, c'est de mon côté. Tranquille, je m'en occupe. Bah, dès que je te donne la parole. Moi je choisis son parce que moi je trouve dans la légende tu trouves tous les ingrédients de PNL. Il y a tout. Ils expliquent tout. Pour moi ils expliquent tout, ils ont tout conditionné sur un seul morceau. Et en plus ça porte le nom de l'album. Pour moi ils expliquent tout. Pourquoi ils font pas d'interview. Et en plus tu sens bien leur côté rue. Tu vois qu'ils ont fait. Tu sens que la musique c'est une alternative à arrêter de Beecraft, tu vois, d'arrêter de vendre, parce que pour eux c'est un truc, tu sens qu'ils glorifient pas ce truc là, tu vois, et c'est pour ça que moi j'ai l'impression qu'ils sont, tu vois, tu sens qu'ils sont vrais en fait, c'est pas des... Mais quand même un peu, hein, parce que dans beaucoup de sons ils parlent de Beecraft, etc. Non, mais en fait ils disent que ça, c'est fini de... Grâce à ça on va arrêter de Beecraft. Ouais, bah après, tu vois, on va arrêter de vendre, tu vois. C'est la finalité de tout le monde, hein. Non, mais sur certains artistes, même s'ils ont... Tu vois, même s'ils vendent des CD et tout. Ils glorifient. Ouais, ils glorifient, ouais. Zarma, ouais. Moi je continue, machin truc. Toujours encore. Ouais, voilà, mais ça c'est comme le même délire qu'un mec qui veut jamais... Un mec qui veut pas la paix parce qu'il a jamais connu la guerre. C'est ça. Tu vois, c'est le même principe, tu vois. Eux, tu vois qu'ils ont connu ce truc là et qu'ils étaient dedans, en fait quand t'es vraiment là dedans tu te rends compte que c'est pas, tu vois, que y a rien de bon en fait, ouais, tu vois, c'est rien de bon, voilà, c'est pas la vie de rêve, tu vois. Il parle bien Adama, il parle bien. Moi j'aime bien comment il parle. Ouais, c'est bon. C'est parce que vas-y, on a de la gamberge, on a de la bouteille. Ça on sait. Non, je plaisante. Non, mais moi c'est pour ça, moi je te dis honnêtement que PNL, moi j'ai découvert sur YouTube, tu vois. Et au début je me rappelle ça, par exemple, à chaque fois que je mettais un titre sur YouTube, on arrivait sur du PNL et au début j'accrochais pas, tu vois, le délire et tout, tu vois. Mais à un moment, il y a un son qui est bien passé. Après, je me suis mis vraiment à écouter. Et ils ont des choses à dire, tu vois. Tu vois, au-delà de tout l'aspect qu'il y a autour de PNL, ils ont vraiment des choses à dire. Et tu sens que c'est des vrais gens, tu vois. Ouais. C'est des vrais gens. Et il y a aussi une punchline qui est pas dans ce titre-là. Qui est dans un autre, dans cet album-là. Ils expliquent que, genre, ils font pas d'interview parce qu'en fait, Zarma, ils ont pu finir. Zarma, si c'était pas des stars, ils ont pu finir dans leur vieux reportage. Tu vois, de clichés, tu vois, ouais, genre ouais. Des vendeurs de cité, machin. Ouais, tu vois, ça explique plein de choses pour dire que. Donc ils veulent pas c'est parce que voilà, c'est parce qu'on a réussi que maintenant on intéresse des gens, tu vois. Ouais. Sinon, j'aurais pu très bien finir comme n'importe quel mec de cité, tu vois. Méprisé, dans ton reportage de trucs, genre de, comme des vendeurs de. Tu vois. Et ça, moi, je trouve ça archi lourd. Ouais, franchement, c'est lourd, tu vois. Et moi, je trouve ce qui est lourd aussi dans ce son-là, c'est le titre déjà et le thème. On veut rentrer dans la légende, tu vois. Ça veut dire que tu vois que c'est des mecs, ils ont une vision, ils sont ambitieux. Parce qu'au moment où ils écrivent ce son, ils sont pas encore. Pour moi, rentrer dans la légende, pour moi, chose qu'ils ont fait aujourd'hui. En tout cas, ils sont dans l'histoire du rap, même de la musique française, tu vois. Ouais, ils disent bientôt. Ouais. Et bientôt, et ils savaient où ils allaient et comment ils allaient y aller. Ils savaient que ça allait amener à ça. C'est là que tu vois que c'est vraiment des mecs intelligents, tu vois. Parce qu'ils avaient un plan, en vrai. Et franchement, là où tu... Je pense que là, ils sont au-delà de leurs espérances, mais c'est déjà une dinguerie, frère, là où ils sont. Non, c'est une belle réussite, pour tout mec de quartier, en fait, tu vois. Et au-delà de leurs paroles, tu sais, leur musique, elle est très. Elle te fait voyager, tu vois, elle te fait planer. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que moi, je kiffe surtout PNL, tu vois. C'est que, tu vois, tu voyages en fait quand tu écoutes du PNL, tu vois. Même si tu veux pas écouter leurs paroles, tu vois, ça te fait planer. Mais c'est bien parce qu'ils ont trouvé leur truc, il n'y a pas de PNL, tu vois. C'est ça. Après, il y a eu des copies, bon. Voilà, on va pas citer les trucs. Faut dire, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont arrivés en même temps qu'SCH.
Ouais. Tu vois, il y a une, y avait c'est une, la nouvelle y avait, ère. Ouais, il y avait une période où les gens ils faisaient des comparaisons avec SCH, PNL. Non, il n'y a aucun lien. PNL. Non, il n'y a aucun lien, mais s'il y avait les cheveux longs. Eux deux, ils avaient tourné ensemble. Ouais, si, non, au début, ouais, au début, il y avait ces comparaisons-là. Et ils avaient tourné eux deux en Italie, là. Voilà, tu vois. C'est-à-dire, il y avait ces petites comparaisons, tu vois. Ah, bon, après c'est la vague des artistes. Pour moi, c'est la nouvelle ère, c'est l'ère internet. Plus pour moi, c'est les artistes qui ont compris qu'il fallait avoir un univers global, tu vois. Moi, pour moi, c'est l'ère post-Caris, tu vois. Quand Caris il est arrivé avec son personnage, tu vois. Que la violence. L'identité musicale plus l'image. Il y a beaucoup de gens qui ont compris l'importance, tu vois, et qui ont mis le point autant sur la musique que sur l'image, tu vois. Et ils sont vraiment arrivés avec une façon de faire des clips. Parce qu'il n'y a pas un budget beaucoup plus que les autres, mais c'est juste l'approche. C'est bien tourné. Qui est, exactement, tu vois. Mais c'est vrai, je te rejoins. Caris, lui, quand tu regardes bien, dès qu'il est devenu Caris, après Fresh, même à l'époque de Fresh, il axait beaucoup, beaucoup, beaucoup son truc sur les clips, tu vois, c'était hyper bien torché, je veux dire. Moi, j'ai toujours kiffé son délire à lui, c'est un truc de ouf. Moi, la première fois que je l'ai vu dans un clip, je dis waouh. Ouais, mais c'est plus sa période de... C'est la plus sa période d'Houdini. Ouais. La période de Trafiquant dernière, tout ça, tout ce qui a suivi après. Ouais. Tu vois, qu'il y avait vraiment une réflexion sur l'image. C'est quoi le son, là, genre, il commence à clipper sur du hall. Et genre, les keufs, ils sont en mode filature. Ah. Il en ramène à bouffer. Ouais, il ramène à bouffer, ouais. C'est quoi le son? J'ai oublié le nom du son, mais après, il y a un mec qui passe en quad. Ouais. Et tout, il marche dans son quartier. Là, ouais, c'est. Fraîche, bah, c'est encore fraîche, c'est encore fraîche, là. Mais là, j'ai vu ce clip-là, je dis waouh. Ouais, mais ça, faut le remettre à ce niveau de l'époque aussi. Regarde, ouais, mais il était bon. C'était l'époque où tu faisais tes clips dans le sud, là. Il est lourd, ce clip-là. Il est lourd de ouf. Les gars, on était jeunes. Ah, il est lourd. C'est le passé. Non, mon gars, c'est des vrais artistes, bro. Des gens responsables. En plus, il était dans la baignoire, il a claqué le. Ouais. Un petit filou, lui. Ce que beaucoup de gens savent pas dans la musique ou je sais pas quoi, j'ai un frère jumeau. Ouais. Révélation. Il y a que la test. La thèse qui savent, c'est lui en fait dans la Excuse-moi. Non, mais... Ah, excuse-moi. Peut-être j'ai déterré des trucs. J'ai raté la voiture pour aller dans le sud. Non, lourd. Non, ouais, mon gars. Non, pour revenir au délire, tu vois, Caris, moi, ce qui m'a fait beaucoup kiffer son délire à lui, c'est que d'une, les sons, ils étaient hyper imagés, tu vois, je veux dire. D'une, à l'époque, on parle de métaphore. Et je sais pas, c'est quel artiste qu'on disait qu'il avait amené la métagore. Ouais. Ouais, mais c'est lui, il faisait la perfection, Caris. Moi, dès que j'écoutais ces sons, je me faisais les images. Ouais. Moi, ce que je kiffe, c'est quand j'écoute un son et que je m'imagine, toi, la situation, en fait. Tu vois, je veux dire. Et dès que j'écoutais un son à lui, je regardais ses clips, je me dis « Ah, putain de merde, ouais, il est fort. » Il est fort. Et comment dire, PNL, ils ont fait la même avec les paysages et la 4K, c'est tout. Ouais, et la 4K, exactement. Le côté planant, même la flycam, c'est la flycam. Ils utilisaient la flycam, c'est-à-dire qu'ils avaient un côté volant, ça allait très bien avec leurs instrus. Ils ont dit, à mon avis, ils ont préparé leur délire en studio, ils ont dit là, on tient un truc et on va foncer, tu vois. C'est-à-dire c'est pour ça que tu vois, je dis, ils ont vraiment une vision, parce qu'avant, ils rappaient pas du tout comme ça. Exactement. Et à un moment, ils ont dû trouver une version, je dis, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et ils ont foncé, tu vois. Et en 2-3 clips, c'est parti, tu vois. C'est un délire. Ouais. Moi, je me rappelle le premier clip que j'ai vu. Moi, c'était quoi? Je vis, Serre. Non, pas J'ai vu, J'ai vu, c'est quand ça commence. C'est celui où ils sont au soleil là. Ouais. Je suis KLF. Je suis KLF. Leur clip est magnifique. Il y a La Vie est Belle en Namibie. Ouais, mais la qualité de caméra était pas ouf sur ce clip là. C'était pas mal. Nara aussi. Moi, je suis KLF, c'est le plus beau clip. Moi, je pense que tous leurs clips sont magnifiques. Celui-là, je te jure, il fait voyager. C'est difficile de dire. Tu vas pas en vacances, tu le mets, il te met bien. Non, moi, je te dis. À part les premiers, tout premiers, tu vois, où tu sentais que c'était encore un peu artisanal. Sinon, Non, c'est trop comment la caméra vient en mode. À partir du buzz, la caméra, comment elle vient, comment tu vois le délire, comment c'est fait. T'as capté. Leur clip, c'est une dinguerie. Moi, c'est comme ça que j'ai connu. C'est surtout sur les clips, tu vois. Je disais, mais c'est quoi ces clips, tu vois. Après, tu vois, c'est ça. Et c'est là, j'ai dit, mais c'est quoi cette douille de Chris Macari, tu vois. Tu vois le délire. Je t'ai dit, ouais, il y a des gens qui sont pas connus, ils font des dingueries. T'as vu, le mec, il est pas connu, tu vois. Parce qu'un clip, en vrai, c'est les idées qui portent le clip. C'est pas l'argent, tu vois. Exact. Eux, c'est des mecs créatifs. Ouais, mais Macari quand même, il a eu son époque. Il a écrasé French Cut. Hein.
qui montait à fond. C'est lui qui a écrasé les French Cut. Chris avant Chris Macari, les gens étaient basés sur le modèle Mafia Capri pour ceux. Donc c'est tous les clips devant le bloc, etc. Lui, il a ramené un autre truc, il a révolutionné un peu la chose dans le sens. Il a ramené un peu de scénarisation, les néons, les lumières. Il a mis du contenu. Il a mis du contenu, tu vois. À la base, c'était basique. Il a habillé ses clips. Exactement. C'est pas un truc de fou. Pour moi, il a rien à ramener de nouveau. Il a eu une bonne époque. Il n'est pas quand même. Il a fait Game Over. Moi, je te dis la vérité. Game Over, c'est du pousseux, frère. Je sais pas. Moi, non, tu parles pas du même. Tu regardes le clip qu'il a fait pour Game Over, le clip en noir et blanc. Ouais, de Booba. Ouais. Il y a quoi de musique? Ah ouais, non, c'est pas Game Over. C'est pas Game Over. Putain, ça annonce une mixtape ça. Tu parles de Pitbull. Moi je parle de Game Over, les gars. Game Over, il est quoi? À Boulogne, il y a Poulet et Charlie dans le truc. Non, il a fait des beaux clips. Même à l'époque, il faut remettre à l'époque. C'est un des premiers à travailler avec la 5D. Tu vois, rappelle-toi Despo aussi. Moi je dis, il a pas ramené. Parce que moi quand je vois le clip de PNL qu'ils envoient, ouais, c'est plus fort. C'est une dinguerie. Ouais, c'est par rapport à lui. Si tu vois, il envoie plein de mecs, noir et blanc. Il ramène super rien spécial pour moi. Caméraman. Même aujourd'hui, des clips, des beaux clips. Moi j'en vois pas énormément, mais le dernier clip en tout cas. Franchement, j'invite tout le monde à regarder. C'est le clip de Prince Wally. Eh, c'est le plus beau clip que j'ai. C'est un film. C'est un film, mais film, c'est pénible. Valentin Petit, il est chaud. Eh, le mec a tourné ça. Valentin Petit. C'est un as, c'est un tueur. J'ai jamais vu un clip aussi beau que celui-là. Et tu vois, ils ont pas beaucoup de budget. Mais c'est les idées. Mais encore ça. Mon gars, on dirait que c'est un budget de ouf. Parce qu'il y a la caméra qui est là, le mec. C'est beau gosse. Bon, on était sur PNL, on parle de clips, désolé Macari, mais bon, c'est comme ça, poto. Ouais, qui veut balancer la chanson là? Et là, j'ai aucun son en vrai de vrai. Ouais, non, personne m'a donné son son. Ah, moi, j'ai l'outro, donc je vais passer en dernier. Moi, je vais balancer Naha. Ok, personne n'avait choisi Naha en plus. Mais bon, tranquille, de toute façon, c'est trop tard. Naha. Non, c'est le deuxième son en plus. Ouais, on va balancer dès le départ. Non, parce que celui-là, c'est un son, genre, quand tu conduis, il passe tout seul. Surtout la nuit, tu vois, je veux dire. Ouais. D'abord, tout l'album, moi j'aimais bien écouter les sons. Après, je connais pas tous les titres, tu vois, je veux dire. Mais moi, j'aimais bien écouter PNL quand je fais de la route. Voilà, quand je fais de la route, tu roules. Ah, tu t'es apaisé. T'es pépère. T'es pas excité au volant. T'es pépère. Ouais, tu es beaucoup de gens sur la route. Pépère. Non, au contraire, t'es détendu. Non, t'es détendu, tu vois. Ouais, t'es tellement détendu que. T'as des sons, tu les écoutes quand il y a du soleil. T'as accéléré de ouf, t'as le désert. Eux, tu vas en vacances. Tu veux. Ouais, c'est vrai, ça glisse tout seul. Bah ouais. Ouais, c'est là. Tu vois, là, tu vois. C'est l'évasion. Tu sens, ça glisse tout seul. Tu sens le suppôt là. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que dans le nouvel album, ils ont pas réussi à faire ça. Ouais. Non, après, moi, je pense qu'ils veulent tester autre chose en fait. Bon, on s'écoute ça, on revient tout de suite après. Le goût de sueur pour l'auteur. De sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, pouta creuse. J'veux pas qu'on m'invite, pardon, j'reconte. Mes rêves se ravis, money. Leur offrir tous ses rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Ils sont devenus verts. Non. Ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la. Cette tasse, voir ma. Je suis pas à ma. Le Yankee veut ça. En menottes dans la.
j'sens la J'crame une quinze au milieu des tochas. J'fais le tour de la plaine avec Ebona. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanané. Grosse te pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. J'fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais, olé, olé, j'suis parisien, enculé, volé, volé, aux riches, mais pas aux pauvres, salope, salope. Mmh. Une légende comme Ice sur le terrain, aïe, tu sais, ma bitch, on aime la maïs avec cette merde que la mif, graille, taille. On pourra pas dire qu'on est condamné, la lumière, on la voit que depuis cette année. Sur 70 degrés, j'dois pédaler, laisse-les parler. Des schlags et des schlags, j'peux plus les compter. Et l'hôtesse de l'air, elle me sert un bon thé. J'suis pas là, mais VR continue de voter. Dans l'escalier. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Président, ta grand-mère, rigolo, prononce mon blas, j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête, ça lève les compètes. Mon hall, tu manques et tu sais, je m'empête. Non, ok, je m'en balais. Je crame une clope. Dans la c'est ta seule voix ma je parle à ma le Yankee veut ça en menotte dans la au palais je sens la je rappe que pour la la street ça pue la j'vois le monde, j'vois ça en poster, j'ai là tu crois, j'fais le et tout ce qu'il y a de sa mère là, AMD j'suis totalement paix. Non, je suis complètement corda. Ouais, mais en fait, quand j'avais écouté ce projet-là, mais... Surtout l'écouter. Ouais, je l'ai écouté, mais je m'en rappelle plus, en fait, tu vois. C'est-à-dire, je voulais pas non, me... Fou, c'est du son, je voulais pas me faire lyncher. Mais ce qui est lourd, là, je crois que c'est le premier clip dans lequel ils vont à l'étranger. Ouais, c'est celui où ils sont en Islande, là. En Islande, ouais. Et quand les gens ont vu les trucs et tout, ils ont pété les plombs. Ma parole. C'était lunaire, frère. Déjà, comment ils rentrent dans l'instru, déjà. Même leur gestuelle. Tout truc... C'était trop. Moi, j'ai la vérité. Moi, c'est les clips qui m'ont amené à ouais, faire connaissance avec eux, tu vois. Mais la dinguerie aussi dans son, c'est le refrain. Vous êtes d'accord que c'est le refrain. Ouais. Il parle pas. Ouais, c'est vrai. C'est rare. Mais ça tue plein de gens. On dit, ouais, ils sont sérieux, les mecs, ils disent rien. Tu sais, il y a eu les premiers conflits. Ouais, comment ça tout le monde parle d'eux. Moi, j'étais pas corda au début. Ouais, je me souviens. J'ai écouté ça, j'ai dit, non, c'est quoi ça. Non, il faut rentrer dans le truc. Ça sort un peu des cases du rap. T'as besoin d'un texte. Alors que là, à la base, c'est plus de la barrière qu'une mélodie, etc. Gros, je veux dire. C'est une dinguerie, gros. Bah ouais, moi, quand j'écoute ça, je vois, il envoie juste des. Mais vas-y, c'est toi, mets le mot en vrai. Ouais. C'est toi, mets le mot. Non, mais c'est une émotion. Tu vois le délire. C'est une émotion. Ouais, bah oui. Après, interprète-la comme tu veux. C'est ça que je te dis. C'est exactement ça. C'est toi, mets le mot. C'est toi, mets le mot. Mais pourquoi ce son-là, Nescro? Celui-là, moi, je vous ai dit, parce que j'aime bien les bons sons. Moi, chaque son, non, chaque époque. Ou chaque période de la journée ou de l'année, j'écoute des sons différents, je veux dire. Et ça, c'est un son que je peux écouter le matin quand je sors de je sais pas où, ou le soir quand je roule, tu vois, je veux dire. En tout cas, c'est des sons qui m'apaisent, je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui les écoutent pour ça. Ouais. Moi, j'écoute pas les paroles, hein. Hey, j'ai du mal maintenant. Ouais, bah c'est vrai. J'ai du mal maintenant, je scène des sons. Je scène des albums, j'ai du mal à... À l'époque, t'écoutais un son, tu le rappais de A à Z. J'ai du mal maintenant. Ouais. J'écoute tellement de contenu que j'arrive plus. Mais ça met dans une ambiance. Ouais, c'est grave. Ça me met dans un délire. Ma parole.
Ouais, t'avales pas les paroles aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'avale pas du tout les paroles. Ouais, ça dépend qui, tu vois. Ça dépend qui. Ça dépend calibré dans ce qu'ils font. Tout est calibré. Parce que moi, j'avoue, ce son-là, ouais, je le connaissais pas très bien. Pourtant, c'est pas prévu pour marcher. Parce qu'en vrai, ils ont pas d'exemple avant. Mmh. Ils peuvent pas dire on va faire ça et ça va marcher. Exactement. Ils ont fait leur truc. Mais non, après, c'est leur truc. Ça, ouais. Ça parle aux gens, mais c'est tellement large en vrai. Ouais. C'est peut-être la compréhension de. Ils ont peut-être compris les gens en fait, tu vois. Peut-être. Tout simplement en fait. Ouais, ils ont peut-être compris ce que les gens. Pas ce qu'ils attendaient, mais ce qui allait pleurer aux gens, tu vois. Ouais. Moi je pense que j'ai la vérité. Voilà, moi je pense même pas que c'était pour les gens. Moi je pense qu'en vrai, t'as vu. C'est là où tu vois quand un artiste il est bon. C'est quand tu fais passer des émotions dans ta musique. Là où la musique elle est forte, c'est quand. C'est quand il y a des émotions. Quand par rapport à ta musique. Quelqu'un il écoute ta musique, il ressent des choses. Et en fait moi je pense que eux quand ils sont dans le studio eux-mêmes déjà ça leur fait ressentir un truc de ouf en vérité. Mais attention, j'aimerais trop connaître leur ingé son, moi juste pour voir tu vois. Par contre il faut préciser parce que c'est pour moi c'est le troisième membre du groupe. Ouais. Ça veut dire leur ingé son c'est dingue. Ça veut dire sans l'ingé son ils font jamais les mêmes albums. Tu vois parce que comment les voix sont mixées, les chants, le vocodeur, comment il est réglé. Il est connu. Il était pas connu, il est connu maintenant. Maintenant tout le monde l'appelle, tous les labels. Même Damso, il a bossé avec Damso il y a pas longtemps là. Il a mixé là les albums ces dernières années, mais grâce à eux. Mais c'est un mec en fait, il avait son studio pas loin de chez eux là dans le 9-1. Et je pense que c'est juste la proximité. En plus, il fait de l'électro à la base. C'est un mec qui fait de l'électro, voilà, il est même pas dans le rap. Mais ouais, justement, c'est ça qui rapporte. C'est pour ça que je trouve des Daft Punk aussi, électronique. Parce qu'il a une façon de mixer qui est différente du rap. Ça fait, ça rapporte un son nouveau. Même si le vocoder il était là depuis peut-être 10 ans dans le rap, eux, comment ils l'utilisent, il y a personne qui utilise le vocoder. Il y avait un mec comme ça au bureau là. Qui? Le mec qui mixait. Ma parole. Déjà, il vient pas du rap, il se plaignait de ça. La vérité que Lionel, il a une oreille musicale. Non, pas Lionel. Qui? Non, là, arrête, il a mixé des vrais trucs. Le mec. Non, la vérité. C'est vrai, ouais, gros. On lui a passé des sons. Non, la tête d'homme qui arrive à faire des trucs. Le mec, il est arrivé au bureau. On dit, ouais, c'est qui lui? Petite dégaine, cheveux, on dirait c'est Johnny Hallyday ou je sais pas quoi. On se dit, ah, vas-y, lui, il connaît rien au rap. Mais le mec, il a l'oreille musicale. Le mec, il nous met au défi. Bon, après, c'est un truc basique, je vais raconter deux anecdotes. Il nous met au défi, on était avec des potes, je crois, c'est Tush ou je sais pas quoi. Ils ont dit, ouais, tu connais rien au taf. Il m'a dit, ouais, moi, je joue là. Ils ont passé une prod de Dr. Dre, Steve Dre. Il aura rejoué en live de A à Z. Les gens se disent, ok, d'accord. Mais tu connais rien au rap. Ok, d'accord. Ouais. On a enregistré un son. Il te l'a mixé de A à Z, ma parole, ça sortait propre. Après, tu vois, le délire, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas la même approche que nous. Ouais, c'est ça, c'est l'approche. Il n'a pas la même approche, il n'a pas te la mixé pareil. Nous, on aime bien, les grosses basses qui frappent. Voilà. Alors que eux, tu vois, en variété, tu vois, la basse, c'est pas plus important que une bonne guitare ou un. C'est réellement ça. Après, bon, des fois, on faisait des petits ajustements, tu veux dire. Mais quand il s'agit d'un son, genre PNL. Il va te le faire, mais bah, ça me rappelle qui le gars dont vous parlez. Ça me rappelle le mec qui bosse avec Maître Gims, Renaud, je sais pas qui là. Ouais, le Baltou, ouais. T'as veux dire, à la base, lui, il fait pas du hip-hop à la base. Ouais, pareil. T'as veux dire. Ouais, mais ça prouve que l'hip-hop, aujourd'hui, il s'ouvre. Ouais, non, mais il a toujours été ouvert, l'hip-hop. Non, mais gros, regarde bien. Lui, il parle, tu vois, à son époque, il parle de la basse. Pour tout le monde, c'est important d'avoir un gros beat, un machin. Ouais, mais aujourd'hui, par exemple, tu vois. Non, mais pourquoi la basse? Maintenant, c'est important pour tout le monde. La basse, elle vient des Kerry. C'est les Kerry qui venaient avec des grosses basses, tout ça, des délires là. Mais si tu regardes bien, par exemple, un mec comme Solar. Frère, c'est des mecs la vérité qui ont mixé ces projets. Il a commencé frère, ça. Oui. C'est des références. Vous écoutez Solar? C'est des références. Toi aussi. T'as pas écouté de Blaze, des beats qui piquent ton cœur. T'as pas écouté Bouche de là? Non, mais quand je dis Solar, même aujourd'hui, là, je vois, il vend à mort. Mais... Ouais. Non, il vend à mort, il l'a vendu. Ah, il l'a vendu. Ah, c'est depuis un match. Mais moi, je te parle quand il est arrivé, tu vois. J'ai écouté son dernier projet. Il pique son cœur. Si, j'ai écouté. Ouais, les singles. Non, non, t'es fou, j'ai écouté. Son dernier projet, Sonotone. Ouais, mais gros, t'es fou, il envoie des clips, lui. T'as vu mon son, hein? Sonotone, le clip de Caroline, frère, ouais, c'est un clip de gueule, le clip de Caroline. Moi, j'ai pas le décodeur pour son flow. C'est un cochon. Arrêtez, non, j'ai écouté les gros singles qu'il a fait, tu vois. Mais ces projets de AZ. Mais en termes de mix, pareil, c'est des mecs de la variété qui viennent, qui mixent. Ouais, mais ça s'entend tout de suite. Il travaille avec Jimmy J. Jimmy J, c'est quand même un mec du pop, c'était un DJ qui avait quand même une approche un peu carrée. Mais en termes d'instru, jouer les instruments, c'est. De toute façon, avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de mec dans le hip-hop qui jouait des instruments. Parce que c'était que du sampling, etc. Tu vois. Ouais. Donc quand ils ont commencé à mettre des instruments, bah, les premiers gens qui étaient là, c'est les gens du rock. Ou d'autres musiques, tu vois, qui venaient, tu vois. Il y avait Arona, il s'appelait Iso. Et c'est lui qui a travaillé avec tout le monde sur tous les albums, donc Généco, Arsenic, machin. Ok, d'accord. Qui travaillait avec Lerita Mitsuko. Mais pour revenir à PNL, parce qu'on revient encore à PNL, c'est le but. Moi, je pense que leur démarche, tu vois, elle n'est pas anodine. Parce que les mecs, tu vois, ils sont arrivés avec un nouveau truc. À une époque où tous les mecs qui créent un nouveau bail, ils fonctionnaient. Ouais. Jules, il arrive avec son son, personne kiffait, il a marché. MHD, il a créé l'Afrotrap. Tu vois, je veux dire. D'autres encore. Ouais, et eux, arrivés, je pense que eux se sont dit, ouais, on va tester ça. Ils ont tout mis. Parce que les mecs, regardez bien. On se demande pourquoi les clips, je sais pas quoi, ils se sont dit,
prendre l'âge. Ouais. On va faire notre délire. Faut que ce soit bon de A à Z. Faut que ça marque les gens. Et moi, je pense que, tu vois, c'est pas un produit parce que c'est quand même authentique dans leur délire, tu vois, je veux dire. Mais ils ont quand même travaillé la chose. Ouais. Genre, le son, il a sa particularité. Tu sais que c'est eux. Mmh. De deux, le clip, il est hyper bien torché. Mmh. De trois, je pense que la muscu aussi, ça n'est pas quelque chose. Parce qu'ils étaient beaucoup torse nu à l'époque. Mmh. Non, c'est mais c'est ouais, tout à fait. Ça, c'est l'image. Tu veux dire, H24 torse nu, mmh, en mode Vegeta et Son Goku. Mmh. C'est des mangas. Mmh. Et là, quand tu regardes à chaque fois sur Internet, les gens les dessinent en mode manga, tout ça. Ouais, ils ont créé un jeu. Mais après, ils sont dans le délire manga. Ils ont les références. Mais après, comme tu as dit, ils ont testé. Mais il y a beaucoup de mecs à cette époque-là qui ont testé des trucs, mais qui n'ont pas réussi. Parce que c'était mauvais. Voilà, eux, ils ont réussi. C'était testé, mais ils ont surtout réussi. Bah oui, et c'est très bien. Et c'est pour ça aussi que ça marche, parce que c'est très bien, bien sûr. Yeah. C'est très bien ficelé. Ils ont innové. Eh, moi, je me rappelle d'un bail à l'époque, ici, là, à la radio, où on est à l'époque, là, quand c'était encore Mustapha qui tenait. Il y a un mec qui était venu présenter un projet ici. Le mec, t'as mon gangsta rap. Le mec, il parlait de Schneck, etc. De, tu vas le dire, de Cyprine, tout ça, tu vas le dire. Nous, on comprenait. Tu rigoles. Nous, on comprenait pas. Tu vas le dire. On se dit, mais attends. C'est comme le son de. Le son de J. Cole, Middle Child, il explique qu'il est dans, il est au milieu, il est entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Toi, il fait le lien entre les deux. Ouais. Moi, je me sens un peu pareil, toi, je veux dire. Oh. Parce que nous, on rappait en mode la fin 90, ouais, encore on conteste, etc. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tout le monde est en mode ouais, capitaliste, tu veux dire. Et le mec, il rappait en mode insulte sur les ous, misogyne, toi, je veux dire. Et nous, on comprenait, ah, alors à l'heure actuelle, tout le monde est en mode ça, toi, je veux dire. Et c'est ça que les gens comprennent, ah, tu vois, je veux dire. Après, l'histoire de timing aussi. C'est ça. C'est ça. Et lui, à l'époque, il aurait fait peut-être aujourd'hui avec des instruits trap, il aurait peut-être marché, le mec. Tu veux dire, c'était pas compris. Tu vois, je veux dire. Yeah. Or, ça aurait pu être bon, tu vois, je veux dire. Après, faut que ça soit bien fait. Ça faut que ça soit bien fait aussi. Faut que ça soit bien fait. Parce que Booba, il est un des premiers aussi à faire ça. Ouais, c'est vraiment. Mais il a tellement bien fait, ça a marché. Il y en a plein qui ont essayé de faire comme lui, mais voilà. Ça a marché. C'est le talent après derrière. Ouais. Bah, ouais. Regarde, pour revenir à ça, le mec en question, il avait dit que son son là, son projet, l'avait enregistré aux États-Unis. Et les gens, il a dit, ils avaient kiffé là-bas. Ils comprenaient pas, tu vois, je veux dire. Mais ils avaient kiffé son délire. Mmh. Et l'arrivée ici, on n'a pas compris. C'est qui le mec? J'ai oublié son blase, ça fait plus de 15 piches. Ça fait plus de 15 ans. Ça remonte à loin. Fallait pas rappeler les schnecks. Non, après, c'est. Ouais, c'est une histoire de timing, ouais, comme on dit. Ah, mais bon, c'est la vie. Bon, on passe à qui là? Vas-y, pour continuer dans le délire. Manga là, Onizuka. Ah, Onizuka, c'est là, ouais. Onizuka, je me rappelle aussi. Ils l'ont clippé celui-là? Ils l'ont clippé, il a été retiré. Ouais. Ah oui, pourquoi c'est pas Chiki qui a été retiré? Non, c'est Chiki qui a été retiré, pardon. Ouais. Onizuka, non, Onizuka, c'est dans la mini-série. C'est dans la. Ouais. C'est dans la mini-série. La mini-série, pardon. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Onizuka. Onizuka, ouais. De toute façon, on va découvrir ça. Ouais. Bon, attends, je sais pas si je suis bon, mais je crois que je suis bon. Attendez, j'essaye là, les gars. Non, là, on est toujours bon, frère. Onizuka, suivi par Joe. Et on revient tout de suite après. Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommeil, plus j'entends le sol qui gronde. Je voulais juste cry. QLF ne cherche pas d'aller. Hésite, la vie est bonne, bonne à niquer. Ils vendent leur cul, leur mère. On n'imagine pas cette vie sans porter la guerre. J'aimerais un gosse mais à la cuve de ce putain le faire. J'pense à demain du soir au matin. J'ai cru apercevoir le destin. Ouais, j't'ai jamais aimé, on s'est jamais vraiment quitté. Gratte pas l'amitié, maman non c'est pas vraiment quitté. Rien n'a changé dans la direction du vent. Y'a juste que j'recompte un peu plus qu'avant. Tu frère n'a pas de cran. Prince de la ville, j'm'écarte du bâtiment. J'oublie le temps du kill. Onizuka. Onizuka. Elle a, 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 elle a.
Je viens faire mon beurre, mer de billets, je fais des longueurs. Toi tu fais le con, je parle au ciel, parle à mon cœur. Belle écho 12, belle écho ou la Zumba. La street c'est fou, je fais le tour de la ville, Onizuka. Comme Yakuza, comme j'étais haut. Il pleut des balles à la météo. Je vois pas d'étoiles à part Othello. Elle a plus gros que Gilo. Pas peur d'été, un frère si y'a Ja. Mais le frère a peur de m'aider quand y'a Heja. Moi quand je m'habille, j'ai le flow Onizuka. Le charme de la street, ouais gros Onizuka. La vie c'est chelou. Solitaire entre nous. Son boulet relou. Les loups qu'un seul coup.